Prout, voilà le néon pour l'épisode 15 de Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge sur la version rouge feu. Et voilà, je suis avec Montalis. Salut Néon, salut tout le monde, comment vas-tu? Bah je vais très bien, je m'incruste encore. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, bah en même temps c'est pas comme si on avait tourné deux épisodes à la suite. Ce serait fou de oui, le dire. Eh oui, allez. Voilà, bah bon on y va, je vais juste activer du super repousse. Super repousse, voilà, parce que je déteste me faire agresser par des Pokémon partout. Et là ça va être le gros... Surtout dans un manoir. Bah, ça va être le manoir Pokémon, et je déteste cet endroit parce que je m'en souviens jamais. Je sais pas où je dois aller. Je sais rien, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas où je dois aller. Par là, ça m'inspire. Comme ça au moins toi ça te fera réviser le chemin pour Verfeuille. Ouais, mais moi je le connais quand même un peu. Non, là je crois qu'il faut t'activer la statue. La statue, il y a une statue activée là? Bah oui. Là. Hein, c'est la statue de Mewtwo je crois, non? Mew, parce que dans ce temps... Mew il est beaucoup plus petit, non? Non. Voilà, il faut que tu passes par là normalement. Ouais, c'est bon. M'a pas vu. C'est celui-là. Ou pas en fait. Carbone. Non, c'était le bon. C'est le bon. C'est le bon, maintenant faut descendre. Ah oui. Voilà. Putain, ouais, j'ai du bol. Hein. Ouais, c'est clair. Hop, et en plus je peux éviter. La clé normalement est pas loin après. La clé. On cherche une clé. Bah oui, pour l'arène, c'est vrai. Bah oui, pour ouvrir l'arène. Alors hop. Il y a un truc ici. Ouh, guérison. C'est cool ça. Ça me ferait économiser 3000 Poké-Dollars le cas échéant. Alors, allo, je dois faire quoi? Là, je crois qu'il faut que tu aies la statue, peut-être. Ouais, il faut que tu aies la statue. Ah oui, exact. Je l'ai pas vu. Putain, mais je suis vraiment doué. Hein. Heureusement que t'es là. J'ai en vu fait. Ça. Bon, bah voilà. Bon, putain, faut passer par là. Et encore, j'ai le partage, donc en plus, ça lag. Non, y'a aucun lag en fait là. C'est incroyable. Bon, enfin, ça lag un petit peu. Oh putain, le ninja quoi. Attention, le mec c'est Ninja Gaiden quoi, c'est Ryu dans Ninja Gaiden là. Eh, allez là. La science, c'est le pied. Oh putain, c'est de synchro de ouf. Bon, alors. Scientifique Ivan. Et Corayon est envoyé par le scientifique Ivan. Bon. Il a fait des expériences sur lui. Oh là là. Danse là, tiens. Ah, on va s'amuser. Son Corayon devient géant. Pour antique. Voilà. Ouf, en plus. Pour antique qui augmente mes stats, c'est cool. Mais de la chance, toi. Pff, oui, c'est une chance sur 5. Une chance sur 5. Sur 2, non? Sur 5, carrément? Sur 2, simplement avec Togekiss. Ah, d'accord. Tu sais, puisqu'il y a la sérénité. Ah ouais. Mais ah, par ouais. Contre, il faut que tu aies un effet, genre, il faut que tu aies que tu sois paralysé, brûlé ou une connerie du genre, par contre. Ah, d'accord. Une chance sur 2. Ça rend la tâche plus difficile. Ouais. Alors. Alors attends, je crois qu'il y a une hyperbole juste à de gauche là, donc on va la récupérer avant d'appuyer sur le bouton. Ouais. Ah c'était 14. Pied sauté. Ouais mais c'est pas ça, ça se trouve. Si si, bah si, non, les CT que tu trouves au sol par contre, si c'est marque pied sauté, c'est que c'est pied sauté. Donc, oui, pied sauté, c'est quand même assez bof. Hein. Oh. Si tu la loupes, t'es un peu dans la merde. Ouais, je sais. Clé secrète. Voilà, clé voilà. Secrète. Tu peux faire péter la corde sortie. Et là, bah non, d'abord voilà. Je récupère la CT 22 Ampleur. Ce qui est bien. Bah ouais, je peux la prendre à Couchignon, ça lui fera au moins une attaque sol quoi. Et j'ai personne qui peut téléporter donc. Oui, bah corde sortie. Ouais. Sous mes cordes sorties. Cordes sorties. Putain, j'en ai 4. C'est le mec qui vise une corde. C'est pour se prendre en fait. Voilà. À partir de là, on le dit pas, mais l'héroïne est morte. Non, le mec en fait il fait un trou, tu sais. Puis après il peut se. Il peut les filtrer du manoir. Ouais, le mec, ouais. Le putain de. Terroriste. Voilà. Bon, c'est parti. Alors, à quoi ressemble cette arène? Oula. What? Ah ouais, c'est l'arène avec les devinettes là. What? L'effet du repousse d'ici, je m'en fous. Quiz Pokémon. Une bonne réponse ouvrir la porte. Une erreur et tu devras affronter un dresseur. Ah, ça dépend si tu veux faire les dresseurs ou pas. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, mieux vaut éviter les erreurs. Chez Nippon évolue en crise acier. Non. Dommage, mauvaise réponse. Ah bon? C'était pas ça? Bah si. Mais si, je sais. C'était ça? Mais oui. Mais je voulais voir le level de l'arène. Marque à grain. Ouais bon, ouais, c'est level ça. 36. Oula, bon on switch, j'ai pas envie que ça fasse comme l'épisode 13. Et on va voir TGF. Ouais, là quand même marque à grain ça pourrait aller hein. Oui mais on sait jamais, attends c'était un autre. Oui voilà, voilà, tu vois c'est ce que je dis, alors ce que je disais dans mon dernier live. Ouais, tu arrêtes, c'est pas une attaque de Jirachi. Si, c'est son attaque exclusive. Ah oui. Voilà. Alors,
Ouais. What? Putain. Animation de dingue. Et l'animation est tellement de dingue qu'elle a fait bugger l'animation en fait. C'était magique. L'animation est buggée. C'est trop bien. Bon bah double pied. Bon bah je sens que la reine va être cool. Ouais, c'est après mon level donc c'est cool. Donc, bon bah maintenant que je connais le level, pas à peine de se taper tout le monde. Hop. Alors. Une bonne réponse ouvrir la porte, blablabla. Hop, blablabla. Alors, il existe 9 badges Pokémon. Nope. Bah non, voilà. Toi, tu les battras dans ton Nuzlocke ? Bah oui, ça fait toujours l'XP en plus. Ouais, le problème c'est que moi j'ai. Enfin, je préfère qu'il y ait un minimum de challenge, sinon c'est pas drôle. Hop. Mais vous évitez les erreurs. Alors, Pitar évolue 3 fois. Non, 2 fois. Ouais, 2 fois. Y'a aucun Pokémon qui évolue 3 fois. Non, aucun. Quoique, est-ce qu'il compte Tarpo comme une évolution ? Non, c'est soit Tarpo, soit Tartar. Ouais, bon, on va dire que non alors. C'est bon, ok. D'accord, c'est chelou quand même leur question. Je t'ai même pas vu bouger le sur-sœur sur passage d'écran Skype. Ah mais j'ai pas bougé en fait, j'ai appuyé sur B. Ah oui, d'accord. Hop là. Blablabla. Alors, les capacités électriques sont efficaces contre les Pokémon de contre les Pokémon sol. Bah oui, évidemment, très. Bien sûr. Bonne réponse en avant. Putain, il a dû s'emmerder le champion quand il a fait ça. Claire. Mec, c'est le roi des devinettes, c'est vachement. Alors, oui, allez, ta gueule. Les Pokémon du même type et du même niveau sont différents. Bah oui. Bah oui. La nature. Ouais, voilà. Sans compter les IV, les EV. Voilà, y'a tout qui est différent. Ouais, donc voilà. Alors attention, logiquement, je crois que c'est censé être le dernier. Alors. Bah oui. Ça va être dur, à toi. Mais vous voyez, alors, c'était 28 contient fausse. What? What? Mais non. C'est quoi cette attaque? Non, ça existe pas, non. Non. Attention, attaque fausse. Fausse sceptique. Bon, on va mettre qui en premier? Brioche, ouais, bah ça m'a l'air d'être un bon choix. Allez, go. Salutations. Non. Ils font une voix de... Vas-y, fais-le. La reine de... Cramoyer. Mes Pokémon font voyager votre radio en soi. Ah, j'espère que tu as de l'antibrûle. Il va bientôt faire très chaud. Et c'est parti donc. Et tu fais très bien la voix d'un vieux. Vachement, tu trouves. Oh putain, bon, on switch. Oh, il est en turn. Ouh, c'est sûr que ça va faire très mal. Mais on switch sur quoi? Ben, t'as pas un Pokémon type plante? Fairy Tail? Ouais, mais je suis même pas sûr. J'allais dire Cocoaz, mais non, il est en miroir, j'oublie que t'es typo. Ouais. On te fout dit. Ah putain, quel emmerdeur. Bon, bah. Tranche arbre. Étincelle quoi. Oh putain, va te faire foutre. Heureusement que t'as synthèse. Ouais, putain, heureusement que l'attaque est efficace. Ça, là. Ou ça va être quand même un peu dur. Et attends, et je viens de rater juste 3 tranches arbres de suite. Alors, il me semble que. Là, tu vas m'utiliser ta guérison, je pense. Ouais. Attends, elle est où? Ah, j'en avais déjà une, c'est cool. Pardon. T'es trop sympatoche, wesh. Alors, coup critique, il m'inflige pas mal de dégâts quand même en coup critique, hein. On te folie, putain, mais tu sais, tu lui infliges pas trop de dégâts. Tu vas peut-être essayer de lui faire un plaquage. Bah, j'affiche plus de... Crois-moi, j'affiche plus de dégâts avec trancheur qu'avec plaquage. Parce que là, je suis bonus de type. Puis, mais t'aurais peut-être pu essayer de le paralyser. Pardon, ça m'aurait servi à rien. Ah. De le paralyser. Hop, Skelenox. Oh, c'est toujours ça. Là, en switch. Skeletrol. Exact. On va passer. On va envoyer Dino et on va le placer. C'est-à-dire, on va lui. Oh l'enculé. Oh, pff, ok. J'oublierai jamais le moment où Votogepi a fait destruction à cause de métronome. Il a fait ça pendant une séance d'XP? Oui, il était contre un Skelenox. C'est là d'où vient le nom Skeletrol en fait. Oh mon dieu. 3. Oh là là. Il faut guérir ça. Dites-moi que j'ai total soin. Et j'en ai pas. Magnifique. Mais j'ai pas une flûte. Si, t'as la flûte. Tu faisais la Poké Flûte pour. Non, pas la Poké Flûte. Ah oui, d'accord. Une flûte jaune, je crois. Normalement, on l'a, non? Non, on l'a pas, ok. Bon, bah voilà. Donc 3, bah 4. Parce que voilà, YOLO. Aïe. Alors ça va faire YOLO mal. YOLO SWAG! Aïe, ça fait très mal. Pff, ok, lui il m'afflige 10 en coup critique quoi. En coup critique, si je switch, il m'afflige 20 PV. Quelle puissance. Oui, il commence un peu à se faire mal hein, quand même. Non, c'est moi qui me fais mal tout seul.
Tu m'étonnes, j'ai trois Transdraco dans le bide, quoi. Ouais. Super popo. Bon là, avec ça, trois Transdraco, je pense que t'as quoi lui faire très très mal avec Lance-Flamme. Oui, Lance-Flamme, non. Ça, malheureusement, c'est la seule attaque avec laquelle Transdraco n'est pas compatible, en fait. Ah d'accord, c'est que Griffacier, en fait. Oh, l'enculé. Ok, on switch. Switch tout de suite. Ouais, qu'est-ce que je vais pouvoir envoyer? Pourquoi pas des GF? Non, non. Non. Ouais, pied brûleur. Poursuite, connard. Bah tiens, carnet requête. Hop là, et oh là, il va trop bien faire. Pied brûleur. Voilà, parfait. Et normalement, donc, le Pokémon suivant devrait prendre relativement cher et carnet requête, pardon. Voilà. Putain, c'est XP quoi. Ridicule. Oh putain! Ah là, au moins, c'est utène! Intéressant. Bon, bah, la valeur du challenge, level 40, il a déjà séisme. Il a déjà séisme. Il a aussi déflagration. Bah, Dido, ça pourrait être pas mal, mais en fait, faudrait juste que tu lui mettes une petite potion. Il a pouvoir antique. Ah oui, mince. Ouais, bon, on va switcher sur Dino. En priant pour qu'il ait pas de pouvoir antique. Il a pouvoir antique, à mon avis. Ok, non, mais de toute façon, là, c'est sûr, il aurait privilégié séisme. Donc voilà, c'était sûr. Ah, il prend l'attaque de Carnet Requête. Carnet Requête. On va voir si c'est une attaque qui fait mal. Oh putain! Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Bon, alors. Rappel max. Pourquoi pas? Oh putain! T'es mort! Non. Au revoir! J'ai tué Dino! Bien joué! Je la sentais la mort personnellement! Je la sentais aussi, bah en même temps c'est un goudon! Bon, bah le problème c'est que si j'envoie sa maille, je vais rien pourquoi faire! Pourquoi pas Brioche au pire? Parce que je vais me prendre un super efficace avec pouvoir antique, donc ce qui va me le one shot! Hein, comment ça, mais non? Il est type volet roche! Ouais, mais roche n'est pas, n'a pas de résistance face au roche! Ah mince, ouais d'accord. Si j'envoie sa maille, un coup de pouvoir antique, il n'y a plus de sa maille. Si j'envoie Fairy Tailor, je vais me prendre une attaque déflagration, il n'y aura plus Fairy Tailor. Là pour l'instant, qu'il y a... là pour une fois qu'il y a un champion d'arène qui est plutôt fort. Ouais, écoute, pour une fois il y a du challenge, j'aime pas ça. On va prier. Tu fais une grosse erreur là. On va prier. On va prier. Pied brûleur, vas-y. Normalement avec le ça staff passe. Plus le soleil coup kick, ben voilà. T'as eu la chance là, franchement, ouais, bien joué. Trop facile. Essaye où me balance Kyogre, c'est... Oh putain. Deux légendaires quand même. Bon, j'ai quand même le soleil, ça va. C'est ta zénith, ah, ça va. Il a explosion. Vite, dépêche-toi de le buter, dépêche-toi. Attends, j'ai rien qui pourrait encaisser l'explosion. On joue ça mal. Le problème c'est qu'elle va lui infliger aucun dégât. Non, vas-y, fais pied brûleur. Hein. Franchement, aucun de tes Pokémon pour résister à ça. Oh, si, ça va, il pourrait résister, avis, mais le problème c'est que... Attention, mur de fer, c'est bon. C'est bon, et puisque je tape sur l'attaque SP, ça me dérange pas. Enfin, sur la défense SP. Bon, ben voilà, ben, on a notre 7ème badge. C'était tellement facile. Oh non. Ah ah. Amnésie. Oh, enculé. Allez, on part en au point. Fort heureusement qu'il ne fait pas explosion, je crois que c'est explosion, ça le pire. Ouais, c'est bon, tu l'as fini. Non, bah non, hyper popo. Ah oui. Attention, et là il va te balancer un truc à la gueule. Amnésie. C'est chiant, je sens. Oh la chance que t'as eu. Je me suis pris un coup critique quand même. Hein. Et je me demande c'est quoi la dernière attaque. A mon avis, c'est explosion. Hein. Bah balance une super potion pire. Nope. Surtout pas, merci. Pourquoi pas? Ah, je viens de capter que ça m'a été type combat, bon, de toute façon, enfin, faible combat, mais c'est pas grave. Allez, ta gueule. Oh, c'est pas grave, elle a pas trop subi de dégâts. On te folie, vas-y. Allez, c'est parti. Pour antique. Ça par contre, ça va faire... Oh, bah non, même pas, t'as deux baisses d'attaque, mon gars, donc... Fais voir, ouais, non, c'est bon. Ça booste ses stats, par contre. Oh, putain de... Là y'a du défi, attention. Oh
putain, ça doit te faire chier parce que Dino c'était quand même un de tes meilleurs Pokémon. Hein. C'était mon préféré, puis Samchi, je suis sûr qu'il va être heureux là. Je suis sûr qu'il a déjà posté un commentaire genre ah, je suis trop content, il est mort. Tiens, il y a de. Oh putain de merde. En plus, tes attaques hauts sont. Ouais, des puissances, ouais, beaucoup moins puissantes, c'est chiant. Bon, bah, on va se. Oui, voilà, comme je disais. Hop, potion. Antique. Oh, le putain de tank! Mais mon dieu, mais non, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, remarque, des baisses à défense, mon gars. Ça me va. Pied brûleur. Putain, il est plus rapide que moi maintenant. Attends, le Pokémon là, il est plus rapide qu'un Brazegali, quoi. Putain! Oh, il est sérieux! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Bon, soigne, hein, forcément. Bah oui, vas-y, hein! Je préfère claquer la guérison plutôt que utiliser une super popo. Ouais. Bon, tu fais pas trop de dégâts avec surpuissance, parce que sur un Pokémon combat, t'aurais bien mal. Oh, c'est bon. C'est bon. Putain, attends, j'ai dû lâcher au double pied, quoi, s'il te plaît. Hein. Oh putain, à date combat, quoi. C'est toi le vieux, hein. Je me suis fait vaporiser. Tu as gagné le passe volcan. Manta remporte 4700 Pokédolls. T'as pas fini de speecher. Le badge volcan, vraiment le spécial de tes Pokémon. Prends ça aussi. Voilà. Et puisque ça c'est pas intéressant. La création, ne la donne pas un Pokémon. Ah, ok. Ne la donne pas un Pokémon. Oh, ce serait du gâchis. Oui. Plop plop, boîte CT, c'était 38 donc. 14, 16, 22, 28. Non, 38 on a dit. Non, 38 ou. Charme. Tu vas le charmer. Bon bah voilà, bon, on aura juste perdu Dino pendant cet épisode. C'est cool parce que il fallait que justement que je change un peu un deux trois trucs dans ma team. Je suis content. Et ah voilà, alors ça c'est et là sur les îles. Hein? Mais c'est toi Manta, c'est moi Léo. Putain, j'avais pas reconnu. Ça fait un bail, dis-moi. J'espère que tu utilises toujours mon PC. Non non. j'espère. Elle m'a foutu de ton PC en fait. Puisqu'on est là ensemble, ça te dirait de venir avec moi sur cette île au sud qu'on appelle île 1. J'ai reçu une invitation et je m'y rends justement. J'adore les noms. Bah écoute, oui, je viens avec lui. Genre, attention, il y a l'île 1, il y a l'île 2, il y a l'île 3, il y a l'île 4, il y a l'île 5. 10 ans plus tard, il y a l'île 1000, il y a l'île 1001, il y a l'île 1002. Bon, merde, l'épisode fait combien de temps? Oula, je ne sais pas, je crois au moins 20 minutes. Ouais, bon, si Léo, ok. Non mais je veux pas le rencontrer, putain. Salut Siléo. Léo, j'arrive pas à croire que tu sois venu. Eh bien oui, je suis là. Alors comment avancer ces recherches? Oh, une seconde, il faut que je vous présente. Manta, voici mon... Bon, allez, vos gueules. Nous sommes éloignés de tout ici et le PC ne veut pas se connecter au tien, Léo. Ah oui, laisse-moi jeter un coup d'œil. Je crois que ça peut s'arranger. Tu veux bien que je t'aide? Manta, est-ce que je peux te demander d'attendre un peu? En fait, j'ai même assez vite à te demander. L'île voisine s'appelle l'île 2. Il y a un type qui dirige la salle de jeu. C'est un passionné de pierres précieuses et de roches rares. Est-ce que tu pourrais lui apporter ce météorite? Moi directement, là, je penserais à Pierre Rochard. Ouais. C'est lui? Le trip. C'est Pierre Rochard? Non, c'est pas lui. Obtient une page supplémentaire pour sa carte. Ok. Ouais, bon. Hein? Service habituel inaccessible. Putain, mais comment je me débarrasse de Dino, moi? Bon, bah, je dois me casser, donc. Casse-toi vite d'ici! Tu me fatigues! Pardon? C'est un troll! Bon, normalement, je devrais pas pouvoir faire ça, mais bon, étant donné que je suis un peu bloqué, j'ai pas le choix, je suis obligé de voler avec lui, hein. Hop là. Voilà, et donc... Quoi? It's a trap! Je suis bloqué avec un Pokémon mort dans mon équipe, dont je ne peux pas me débarrasser. Dino, il veut vraiment rester avec toi, en fait. Il faut que tu gardes son cadavre, avant que tu le jettes à l'eau. C'est très ballot. Bon, ben voilà, bon, ben écoutez, bon, on va garder le cadavre sur nous. C'est dégueulasse. Et là, tu balances à l'eau, vite. Faut cacher le corps. Bon, remarque, l'avantage c'est que je peux capturer un Pokémon, mais... Ah, d'un autre côté, j'ai pas le droit de soigner ma team tant que Dino est dans ma team, on est d'accord. Enfin, ça va le résurrectionner. Bon, remarque, je peux aussi ne pas l'utiliser, mais bon, d'un point de vue RP, oui. Ça s'accorde pas. C'est vrai que tu te débarrasses de lui.
Bon bah je fais quoi moi? Je fais quoi? Je suis bloqué. Tu restes là et tu sauvegardes, voilà, et t'attends le prochain épisode. Ouais bah ouais, je ferai ça dans le prochain épisode. Bon bah en attendant, bah j'espère sincèrement les amis que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, le commenter, le partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et que je vous intéresse. Mettez des pas... pouces violets. Mettez encore des pouces violets. N'hésitez pas non plus à regarder les vidéos de Stro. N'oubliez pas de regarder, de toute façon ça c'est un ordre, vous avez pas le choix, de regarder les lives de Fluo Néon pardon, tous les samedis à 17h30 aussi. Néon patate, sur sa Néon. Chaîne Twitch TV. Au pire vous suivez son Twitter ou le mien parce que j'ai l'habitude de retweeter. Voilà. Parce que Twitter c'est le bien. Facebook, c'est le mal. Guerre. Oh non lol. Non mais après Facebook c'est pas forcément le mal, mais c'est beaucoup plus facile. Ouais. Je vois, je trouve que c'est beaucoup plus facile de communiquer via Twitter que via Twitter, Facebook. Avec ses abonnés. Oui. Parce que Facebook c'est juste le bordel, t'as tellement de trucs bidule chouette de partout, alors que Twitter t'as voilà, tu passes un message. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Bon ben voilà, c'est tout. Voilà et au revoir. Bon voilà. J'ai des pattes, c'est bon. Et que Néon soit avec vous. Bon allez, salut tout le monde. Prout.